Et kikouplop tout le monde, c'est Natman. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur un autre jeu que j'avais annoncé depuis la fin de Condemned, hein, ça fait déjà maintenant quelques semaines. Il s'agit d'un bon vieux jeu oldies sorti sur notre bonne vieille PlayStation. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit de Dino Crisis. Toute mon enfance, ce jeu. Alors, Dino Crisis, voilà, j'avais déjà fait Resident Evil, je me suis dit, pourquoi pas faire Dino Crisis, surtout que c'est, figurez-vous, le premier survival horror auquel j'ai touché de ma vie. Je me souviens, à l'époque, j'avais ça sur PlayStation. Oh, on a la super introduction avec les bons vieux bugs de l'émulateur. Ouais, je vous la laisse, tiens, juste pour le plaisir. Par contre, je vais vous cacher les bugs, parce que c'est moche. Je me souviens à l'époque, j'avais un PlayStation, mon père l'avait fait pucer, parce que ça coûtait rien de les faire pucer à l'époque, hein, les jeux gravés, on pouvait faire ça super facilement, on pouvait avoir ça super facilement sur les consoles, c'est carrément moins le cas aujourd'hui, hein, maintenant sur PS3 pour pirater un jeu, c'est un petit peu la croix et la bannière, hein, même si, voir si c'est pas impossible. À l'époque c'était largement possible et mon père m'avait ramené plein de jeux gravés, en fait, je me souviens un jour il s'était ramené avec une grosse liste de jeux. Il me dit, je fais pucer la PlayStation, puis c'était surtout aussi pour que lui puisse jouer à des jeux gravés. Il m'avait ramené une grosse liste de jeux, il me fait, tiens, choisis ceux que tu veux, et je te les ramènerai. Puis donc j'avais dû en choisir genre 15, 20 ou 30, et dedans il y avait Dino Crisis. Je sais même plus pourquoi je l'avais chopé, je crois que c'est peut-être simplement parce qu'il y avait Dino dedans, puis que je voyais... Putain, merde, il me remet l'introduction cet enfoiré-là. Ah non, c'est une phase de gameplay, très bien. Tant que ça fait pas trop de bruit. Il m'avait ramené ça, et puis j'avais joué, et je me souviens quand même que je m'étais bien chié dessus à l'époque quand j'étais gosse, je devais avoir quoi, 8-10 ans quand j'y ai joué. Et je m'en souviens pas trop au final. Je l'ai reterminé quelques années plus tard, il y a un pote qui m'avait aidé à le finir, qui est un gros fan de Dino Crisis, qui connaît le jeu absolument sur le bout des doigts, et qui m'avait dit tout ce qu'il fallait faire pour terminer le jeu. Il était à côté de moi quand on avait fait le jeu ensemble. Mais je m'en souviens absolument plus. Donc ça sera une bonne occasion pour moi de m'y remettre. Alors, Dino Crisis, c'est donc un jeu développé par Capcom et édité par Virgin Interactive, comme pour Resident Evil au final. Et c'est sorti chez nous pour Halloween 99, soit à peu près 3 mois après Silent Hill. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, c'est Shinji Mikami qui l'a fait, qui, après avoir fait Resident Evil... et avoir été, je crois il était producteur sur Resident Evil 2, revient avec Dino Crisis, où en fait c'est un gros mélange, Dino Crisis c'est un gros mélange entre Resident Evil et Jurassic Park, hein, il s'en est servi comme référence pour faire ce Dino Crisis. La grosse différence entre Dino Crisis et Resident Evil, c'est que Dino Crisis utilise des décors totalement 3D, là où Resident Evil utilisait des backgrounds 2D avec des personnages en 3D. Donc là il utilise des décors en 3D, comme quoi un petit peu c'était l'air du temps avec Silent Hill qui était sorti 3 mois plus tôt. Et stop là, merci. Et la grosse nouveauté aussi, quelque chose qu'on a pu faire d'ailleurs qu'à partir de Resident Evil 6, c'est un petit peu con, on peut tirer en avançant, tirer en marchant, à l'instar de d'autres survival horror bien connus. Globalement, voilà, c'est du Resident Evil, mais avec des ennemis qui sont des dinosaures, qui sont nettement plus coriaces et, plus vivaces. De toute façon, vous verrez ça. Quoi qu'il en soit, moi, c'est un jeu le fait de voir cet écran titre-là, qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Et on va commencer une nouvelle partie directement. Et, ça commence bien, j'ai déjà perdu les contrôles de ma manette. Ah non, quoique, on dirait pas. Non, parce que je joue sur émulateur, ça je vous l'ai pas dit, mais je joue sur émulateur. Et comme pour Resident Evil, sur émulateur avec Fraps et tout le bordel, ça fonctionne pas très bien. Et donc, comme mon câble USB, vu que je joue avec ma manette PS3, le câble USB est commence à être un petit peu vieux et je perds. La manette a tendance à se déconnecter très souvent. Et comme je vous l'ai dit, c'est sur émulateur, il y a pas mal de bugs. Il va y avoir des bugs liés à ça, et notamment au niveau de l'inventaire qui est tout écrasé, je sais pas pourquoi, j'ai testé plein de solutions pour essayer d'améliorer ça, et j'ai pas réussi à avoir un inventaire d'une taille normale, à moins de mettre le jeu en 16/9, ce que j'ai pas voulu faire parce que ça allait étirer au final tout le jeu. Donc je préfère garder l'aspect, le ratio normal du jeu, quitte à avoir un inventaire un petit peu écrasé. Je privilégie l'image du jeu. Naturellement, comme j'enregistre avec Fraps,
Eh ben, il va y avoir des bugs de son dans l'inventaire comme pour Resident Evil. Mais bon, je pense pas que ça va non plus niquer le plaisir de jeu. Hein. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix, vu que le jeu est pas sorti sur le PlayStation Network en Europe. Hein. Il est sorti qu'au Japon et aux États-Unis. Donc je vais faire le jeu en normal, hein. Je vais pas me casser les noix. Hein. Au pire, je ferai comme Resident Evil, je le referai en facile, mais plus tard j'étais déçu de l'avoir fait en facile. Donc on va rester sur du normal. Allez, c'est parti, je vous laisse regarder la petite séquence d'intro, à tout de suite. The second report from Military Experiment Facility. Agent name, Tom. I have successfully infiltrated under the guise of a researcher as planned. I have encountered no information regarding top secret development of new type weapons. But I have discovered there is an unexpected individual at this facility. The man is Dr. Kirk, the leading authority of our nation's energy research. Dr. Kirk was alleged to have died in an accident during the course of an experiment 3 years ago. The reports were premature, and it appears that he is currently working as the head of a non-weapon project at this facility. The experiment is in the late stages of development. Regarding the staged accidental death, it appears that this country is somehow involved. Recommending that necessary actions be taken immediately. Refer to the data on Dr. Kirk. Operation instructions. Sorry, I'm late. It's time. Let's move out. What about Cooper? Forget him. Time's up. Wait! Wait! Thank you.
Okay, this is the first checkpoint. Playtime is officially over, kiddies. Something's wrong. The lights in the guardhouse are out. Maybe this has been a wild night of partying for the guards. You know, a little song, a little dance. Stay here, Junior. Leave the guards to me. Hey, did you hear what he just called me? Forget about it. Just let Gale handle this. All right. It's clear. Ce bruit de grille me rappelle des souvenirs. Okay, let's do this. I'll infiltrate the facility and occupy the control room on the first floor. I should have access to all the security systems from there. I'll contact you as soon as I've cleared the room. Putain, il est vraiment moche lui avec sa queue de cheval là. Il y a des petites rayures dessus, on dirait, je sais pas, on dirait un peu la queue d'un raton laveur ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc nous voici aux commandes de la très, très ravissante Regina, je me souvenais pas qu'elle était aussi jolie. J'ai pas l'air d'avoir perdu les contrôles, c'est marrant parce que vous avez peut-être entendu les bruits, le petit bruit du connecteur USB qui merdouille. Et bah c'est, c'est la manette qui merde, mais bon ça a l'air d'aller. Donc même principe que Resident Evil, hein, même type de contrôle. Donc comme vous pouvez le voir, on peut avancer en tirant, ça c'est bien. Et donc on contrôle une équipe, alors bon, je vais rebalancer un petit peu l'histoire, au cas où vous auriez pas lu ce qui s'est passé un petit peu avant. Donc en fait on avait le docteur Kirk, Edward Kirk, qui menait des expériences sur une nouvelle source d'énergie écologique. Voulant pousser ses recherches, il a demandé un financement au gouvernement, mais le problème est que le gouvernement a refusé, et que le laboratoire a fermé ses portes. Peu de temps après, un accident tragique survient et le docteur Kirk meurt dans l'accident, ou tout du moins est déclaré décédé. Et quelques années plus tard, le gouvernement envoie un espion, donc du nom de Tom, sur l'île sur laquelle nous trouvons là. Tom rapporte à ses supérieurs que apparemment le docteur Kirk serait encore en vie et mènerait des opérations, des expériences secrètes sur cette île. Et le gouvernement envoie donc une escouade de 4 personnes, composé de Cooper, qui s'est fait bouffer par un T-Rex dans la cinématique, de Regina, le personnage qu'on contrôle, de Gale, qui est le genre de militaire un petit peu badass, chef de l'escouade, et la dernière lopette, là, je me souviens plus de son nom, c'est Rix, je crois, pour rapatrier le Dr. Kirk. Alors oui, comme vous pouvez voir, hein, l'inventaire est un petit peu... Bon, il y a toujours des bugs de son, c'est un petit peu chiant, on les a en double, les sons. On les a deux fois, c'est bizarre. Et l'inventaire est un peu écrasé, mais bon, c'est pas grave, ça nous empêchera pas de jouer convenablement. Enfin, du moins, j'espère. Let me guess. This is some of your handiwork, right? The brass is still warm. These guards were shooting at something very recently. So who were they fighting? This wasn't much of a fight. I don't think these guards hit anything before getting sliced and diced. Whatever they were shooting at came in through there, and ripped right through the steel fence. Well, the hole is nice and clean, but I still say you could have done this. Very funny. We still need to figure out what happened here. Continue to sweep the area. Donc on peut voir que le truc est vraiment... On reste toujours dans du Resident Evil, on a toujours des histoires d'expérience. Et putain, non mais encore, c'est pas possible. Il y a vraiment un souci avec le câble USB, je crois qu'il va falloir que j'essaie d'en retrouver un. Hein. Donc ça fait très Resident Evil avec ces histoires d'expérience, toujours de laboratoire secret, et ça reste également très inspiré de Jurassic Park.
Alors là, je sais plus ce qu'il y a à faire. Il y a déjà la clé à récupérer là-bas. Les mots zone générateur de secours, rez-de-chaussée, ils sont gravés. D'accord, ça c'est une clé qui va me servir à aller dans la zone de là où on venait en fait. Et là, normalement, je crois que c'est un objet de soin, il me semble. Ça, je m'en souviens, c'est le tout début du jeu, je l'ai refait plusieurs fois. Je m'en souviens même de quand j'étais gosse. Ramasser Phénixir. Retour à la vie avec récupération complète des forces. Ça, c'est pas mal au cas où on crève. Parce que comme les dinosaures sont nettement plus coriaces et nettement plus rapides, notre personnage a également, pour contrer ça, le personnage a plus de vie. Et on a aussi des objets de soins plus puissants. Mais bon, pour contraster avec ça, comme vous pouvez voir là, on peut transporter qu'un nombre limité de choses. Par exemple, bon, on n'a pas vraiment d'inventaire limité si je me souviens bien. Mais par exemple là, des balles, j'en ai 17 sur 34, c'est-à-dire que je peux pas avoir plus de 34 balles sur moi. Pareil pour les hémopatchs, qui permettent d'arrêter les hémorragies, je crois, pour éviter que les dinosaures me pistent, il me semble. Pour récupérer de l'énergie, le phénixir. Un mélange de queue de phénix et d'élixir. On sent un petit peu l'inspiration Final Fantasy derrière. Alors là, c'est fermé normalement. Il me semble. Hein. La clé du générateur de secours B1. Ok. Rick can handle the inside of the facility on his own. Ok. Comment on fait pour... Faudrait que je sache comment faire demi-tour. Y a pas les commandes là? Réglage du son, configuration des touches. C'est ça qu'il faut que je sache. Ouais, en fait... Ouais, d'accord, bon. Y a pas grand-chose, hein. Moi, je voulais savoir comment on faisait pour faire le... Ah, demi-tour, c'est R2. Ça, ça va être très utile, ça. Comme ça, hop, dinosaure, hop. Je devrais laisser Rick s'occuper de l'intérieur, ouais. Ah, c'est vraiment super, le demi-tour, là. Je sais plus si on pouvait faire ça dans Resident Evil, je m'en souviens déjà plus. How's the progress going with that security system? I don't know what's been going on here, but it looks like all the power in this facility's been cut. Same here. As long as that's the situation, there's not a lot I can do. Why don't you see if you can gain access to the backup generators on the ground level? I'm on it. What are you doing here? I caught the last part of your conversation. By the way, I found a key. Hand it over. Let's head outside. Je remarque aussi que les doublages sont nettement meilleurs que pour Resident Evil et que pour Silent Hill aussi, qui est sorti tout de même la même année. Bah que pour Resident Evil, c'est normal. En même temps, celui-là est sorti quand même 3 ans plus tard et l'année d'avant, on avait eu Resident Evil 2. Mais ouais, non, c'est surprenant de voir que les doublages sont nettement plus naturels. Alors, je sais plus où est-ce qu'il est allé. Non, ça s'est verrouillé. On doit pouvoir y déverrouiller l'autre côté, je pense. Et notez aussi qu'on voit, on a plus ce système de caméra fixe de Resident Evil. On a des caméras un petit peu plus dynamiques. That's disgusting. This guy's been eviscerated. Something tore his intestine straight out. Look at those tooth marks. It had to be some sort of animal. Okay, let's move on.
et un maxi tonic. Rien dans les poches. Non, une mort récente. Oh oh. Hey, mais il y a combien de... Il y a plusieurs passages là dans le coin. Plan. Non, mais c'est là d'où je viens, ça, en fait. Eh bien, non, oui, si, je sais plus, putain, eh. Oui, c'est là d'où je viens. Quel idiot! Je sais pas s'il y a pas un ou deux objets dans le coin, là, on sait jamais. On a dû s'en servir pour déplacer des matériaux. Ouais. On aurait pu en tirer une alimentation de secours, et il ne reste plus rien. I'll stand guard here. You go inside and take a look around. Un truc qui me sidère, un dernier truc là. Qui m'a pas mal sidéré quand j'ai refait le début du jeu là pour faire les tests, c'est la mise en scène qui est vachement cinématographique. Et ça m'a aussi vachement surpris. Alors, chargeur à batterie, en mettant la batterie ici, je peux la charger. Je sais plus à quoi ça sert, ça, les chargeurs de batterie. Ça doit servir à ouvrir des portes ou je sais plus trop. Rappel dispositif d'alimentation d'urgence, installation automatique de la batterie. Toujours maintenir la charge de la batterie. Et donc là, je me souviens des petites énigmes pour remettre le générateur en route. Il faut mettre les fusibles dans le même sens que les... dans le de couleurs, là, dans le même ordre que les couleurs sur les leviers, là. Donc rouge, bleu, vert, jaune... Non, rouge, bleu, vert, blanc. Il n'y a pas de jaune. Celui de droite... Et celui de droite à nouveau. Tac. Ok, c'est bon, ça va le faire. Merde, qu'est-ce que je suis con, moi, faut que j'aille appuyer sur les leviers. Non, 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 par là, par là, par là, casse-toi. Allez, allez, cours, cours, cours. En plus, ils sont super rapides, les enfoirés. Autre chose que j'avais pas précisé, les dinosaures peuvent ouvrir certaines grilles et sauter par-dessus des trucs.
Voilà, il peut pas me suivre. Genre. Good news! I got the control system back online. What's the situation over there? It's Gale. I lost him. So what's the bad news? Did you run into some guards? You're not gonna believe this. He was attacked by some kind of dinosaur. That's a good one. So, who was it? Ernie? This isn't a joke, you idiot. We were just attacked by a big-ass lizard. For real? What's going on over there? Alright, head over to the control room and we'll sort out this whole situation. Ok. Bon, alors dinosaure, j'aurais pu lui mettre sa race, mais le truc c'est que comme ils sont super résistants, j'ai pas envie de bouffer des balles, surtout que j'en ai que 17. Ça, c'est le passage qui me faisait flipper quand j'étais gosse. J'ai dû rester 10 minutes dans ce putain de couloir. Alors moi... Ah non, pas maintenant. Ce que je veux voir, c'est ça, là. Est-ce que je peux y désactiver? Appuyez sur le bouton. Résultat nul, d'accord, ok. On dirait bien qu'il va falloir que je fasse le tour. Alors par contre, c'était où sur le plan là? Parce qu'il y avait, j'ai eu un objet derrière. D'accord, donc je pense que je vais pouvoir y accéder à partir du bout de la... du truc d'aération. Je vais commencer par descendre là. J'aime pas ça, je vais faire une sauvegarde rapide. C'est toujours bien ça. Ah, control room, j'y suis, on dirait bien. Alors, je suis où sur le plan, là? Je vais encore regarder le plan 50 000 fois. J'en suis navré. Ramasser 9 mm, oui. Ah, je suis à fond, ok, d'accord. Tu peux mettre une pharmacie dans ce coffret d'urgence. Pour ouvrir ce coffret, il te faut une cheville. Oh putain, ça c'est chiant ça. Parce que oui, dans ce jeu-là, il n'y a pas de coffre. Il n'y a pas de coffre comme dans Resident Evil. On peut juste mettre des soins, un objet en fait, dans ce coffre d'urgence. Et par exemple, dans le jeu, il y aura plusieurs coffres verts disséminés. Et à chaque fois que je rencontrerai un coffre vert, bah, je pourrai ramasser ce que j'y ai déposé en fait. Mais pour ouvrir chaque coffre, il me faut une cheville. Et il y a des coffres de différentes couleurs, c'est-à-dire que si je dépose un objet dans le coffre vert et que je rencontre un coffre jaune, bah, je pourrais pas récupérer mon objet parce que c'est pas le même coffre. Ce qui fait que le jeu va être encore plus orienté survie en fait que le premier Resident Evil. Ça c'est quoi? Aucun résultat, d'accord. Avant d'aller dans le control room, en fait si je vais y aller. Ouais, si, allez. Je voulais aller au bout du truc d'aération là. What's our status? This
This security system is a snap for me. Real amateur stuff. So what exactly happened to Gale? You said that he was attacked by a dinosaur? Yeah. I couldn't believe it. I just hope he's still alive. Anyway, our first priority is to complete the mission. What we ought to do is just call in the chopper and get off this death trap. That's a great idea, but Cooper has the radio, and he's missing. Hey, what's with this monitor? That's the security monitor for the underground area. The camera's offline. So I take it that means power still hasn't been restored to the area. Exactly. They must have that area wired to a different power system than the ground level. We can investigate that area after we finished our sweep of the ground level. Okay. Then I'll take care of the shutters that are blocking the way. You work your way in, grab the dock, and then rendezvous back here. Il y a des petits bugs de son. C'est fort dommage. Qu'est-ce que je suis où encore moi? Je vois qu'il y a des. Il y a l'air d'y avoir une petite pièce. Alors ça, c'est quoi? On dirait un coupe-circuit. Ok. Et ça, c'est quoi? L'emploi de cet ascenseur exige une carte ID. Ok. Go back. Now what I want to know is where those things are coming from.